Pas de régime, pas d'exercice. Comment j'ai perdu le gras du ventre en une semaine? Possèdes-tu ce vêtement au fond de ton armoire qui est peut-être un peu petit, mais tu es persuadé qu'un de ces jours tu vas perdre du poids et pouvoir porter cette robe moulante? Oui, moi aussi. La chose qui m'empêche de mettre cette robe, c'est mon ventre. Littéralement. J'ai donc décidé de faire quelque chose. Je me suis débarrassée de ma bédaine en une seule semaine sans régime extrême et sans devoir passer des heures à la salle de sport. Tu veux savoir mon secret? Eh bien, continue de regarder. Mais tout d'abord, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Sympa, publie un tas de vidéos utiles, telles que celle-ci tous les jours. Alors, assure-toi d'activer les notifications. Ainsi, tu ne rateras rien. Ok, je vais commencer par te dire ce qui m'a poussée à faire cette petite expérience au début. Quand je dis que j'ai décidé de me débarrasser de mon ventre, je n'ai pas utilisé le bon terme. J'étais en fait en pleine crise de panique quand le gars de mes rêves m'a demandé de sortir avec lui et je ne disposais que d'une seule semaine pour réduire mon tour de taille. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle je voulais le faire. Je me sentais un peu bouffie et molle à ce moment-là et je n'aimais pas du tout ça. Je voulais non seulement être magnifique, mais je voulais également me sentir mieux. Tout d'abord, j'ai commencé à faire quelques recherches. J'étais surprise de découvrir que la graisse n'est pas toujours la première raison des kilos en trop sur le ventre. Si tu as récemment remarqué que tu ne rentres plus dans tes vêtements en comparaison avec avant, cela est probablement dû à des ballonnements et à de la rétention de liquide. Cela correspondait exactement à ma situation. Et j'ai donc préparé une liste des objectifs que je voulais atteindre. Se débarrasser des ballonnements, réduire la rétention d'eau, reconsidérer mon alimentation et mon mode de vie. 1. Ce que j'ai fait pour réduire les ballonnements. Bon, juste que tu saches, les ballonnements ne sont pas de la graisse. C'est de l'air ou des gaz qui se ressemblent dans ton ventre et qui font que l'estomac se sent serré, plein et gonflé. Une fois que j'ai compris que j'étais effectivement ballonnée, voici ce que j'ai fait pour réduire les ballonnements. J'ai essayé cette chose appelée acupuncture, étant donné que j'ai lu que cela aidait réellement à faire face aux ballonnements. J'ai utilisé les deux méthodes suivantes. Le premier point de pression se trouve environ 4 doigts au-dessus de ton nombril. J'ai massé ce point pendant 3 minutes en réalisant des mouvements dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire. Cela permet vraiment de soulager les crampes d'estomac et de prévenir la formation de gaz. L'autre point est 4 doigts en dessous de ton nombril. Encore une fois, j'ai massé ce point pendant 3 minutes en faisant des cercles dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens contraire. Cela est supposé stimuler tes intestins et se débarrasser de la lourdeur dans l'estomac. Ouais, je pense que ça marche. Consommer plus de gingembre est une autre astuce pour réduire les ballonnements que j'ai découvertes. Tu peux le boire comme un thé ou le manger frais. Pour préparer du thé au gingembre, j'ai pelé et j'ai coupé en dés environ 85 g de gingembre que j'ai ensuite mis dans une théière. Puis, j'ai ajouté 3 tasses d'eau, j'ai fait bouillir et j'ai attendu qu'elle refroidisse. J'ai pressé un peu de jus de citron à l'intérieur, j'ai ajouté la moitié d'une cuillère à café de miel, et c'est tout. Cette boisson est non seulement utile pour se débarrasser des ballonnements, mais elle est également délicieuse. Tu peux aussi manger une cuillère à café de gingembre râpé avant les repas. C'est ce que j'ai fait, mais c'était un peu trop épicé pour moi. J'ai seulement appris par la suite que je pouvais saupoudrer du gingembre en poudre sur mes plats. Oups. Bon, bah, j'essaierai cette méthode à l'avenir. Enfin, avec l'acupuncture et les recettes de gingembre, j'ai commencé à ajouter de la poudre de curcuma dans mon eau et mes smoothies. J'ai également essayé de boire plus de thé à la menthe. Ils sont tous les deux très efficaces pour soulager les ballonnements. 2. Comment je me suis débarrassée de la rétention d'eau? Avoir mon estomac ballonné sous contrôle n'était que la moitié de ma bataille. Je devais également me débarrasser de l'excès de fluide qui se construisait à l'intérieur de mon corps. Du moins, c'est ce que les experts recommandaient de faire selon mes recherches. Voici exactement ce que j'ai fait pour me débarrasser de la rétention de liquide. J'ai énormément réduit ma consommation de sel. J'ai lu que trop de sodium, qui se trouve dans le sel, fait que le corps retient plus d'eau. Cela expliquerait cette sensation bouffie que j'avais avant de commencer l'expérience. J'ai inclus plus d'aliments riches en potassium dans mon alimentation. Le potassium aide à réduire la rétention d'eau en diminuant les niveaux de sodium dans le corps. Cela te fait également uriner plus. Et cet excès de fluide s'évacue donc de ton corps. Pour cette raison, les tomates, les bananes, les épinards, les avocats, les betteraves et l'eau de coco sont devenus mes meilleurs amis. J'ai également essayé plusieurs fois de faire du thé au pissenlit. Cette herbe est un diurétique naturel, ce qui veut dire que, comme le potassium, elle augmente la production d'urine dans le corps. Cela fonctionne vraiment. Mais si tu décides de tester cette méthode, sois prête à devoir aller régulièrement aux toilettes. J'ai essayé de consommer moins de glucides étant donné qu'ils augmentent normalement tes niveaux d'insuline. L'insuline fait que ton corps retient plus de sodium, et tu sais que cela veut dire plus de rétention d'eau.
Alors j'ai réduit le sucre transformé et les autres édulcorants, ainsi que tous les types de desserts, de chocolat et de gras raffinés. C'était certainement l'un des aspects les plus difficiles de cette expérience. Mais pour te dire la vérité, ce n'est pas un régime restrictif, donc tu n'as pas vraiment l'impression de faire un régime. Enfin, ton plus grand allié quand il s'agit de réduire la rétention d'eau est l'eau. Étonnant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai, plus tu bois de l'eau, moins il y a de liquide retenu dans ton corps. 3. Comment j'ai changé mon mode de vie et reconsidéré mon alimentation? Avant de commencer cette expérience, je n'avais pas la pire alimentation possible. Mais j'ai réalisé que je pouvais faire des changements. J'ai remplacé les glucides par des protéines. Non, je n'ai pas ressenti de sensation de faim ou de tristesse. En fait, je me suis sentie plus légère et pleine d'énergie. Les fruits secs, le poisson, les produits laitiers et la viande se sont avérés tout aussi délicieux que la malbouffe et les pâtisseries. J'ai réduit la taille de mes portions, mais j'ai mangé plus souvent dans la journée. Au lieu de 3 gros repas, je mangeais 6 repas qui n'étaient pas particulièrement grands, mais qui étaient suffisants pour que je sois repu. J'ai renoncé aux sodas et aux autres boissons sucrées. Crois-le ou non, mais les boissons gazeuses font que tu es ballonné et gonflé. J'ai complètement abandonné les produits sucrés achetés en supermarché et j'ai préparé mes propres boissons délicieuses et qui brûlent les graisses à la maison. Voici certaines de mes recettes préférées. Pour préparer une boisson aux agrumes rafraîchissantes et amincissantes, mets la moitié d'une tasse de grenade, la moitié d'une tasse de pamplemousse, une pincée de sel et une cuillère à café de miel dans le mixeur. Et c'est tout. Profite bien. Moi, j'ai adoré. Pour préparer une boisson à l'eau de coco, prends un quart d'une tasse d'ananas, une tasse d'eau de coco, la moitié d'une cuillère de graines de fenouil moulu et un peu de poivre noir. Encore une fois, mixe tous les ingrédients ensemble et c'est bon. Oh, j'ai bu le mien avec des glaçons, alors tu devrais le goûter de cette manière aussi. Ce cocktail de céleri est également facile à préparer. Tu auras besoin de la moitié d'une tasse de céleri, d'une tasse d'eau, de la moitié d'une cuillère à café de vinaigre, de cidre de pomme et d'une pincée de poivre noir. Mixe le céleri avec l'eau, verse-le dans un verre, ajoute le vinaigre et le poivre, mélange et bois. Les changements de mode de vie n'ont posé aucun problème. Au lieu de prendre l'ascenseur, je prenais les escaliers. Au lieu de me garer près de l'entrée d'un lieu, je me garais plus loin et je marchais. Au lieu de m'asseoir devant la télévision tous les soirs, je faisais des promenades courtes de 15 à 30 minutes. En fait, n'importe quelle chose qui pouvait me faire bouger un peu, je l'ai fait. Tu vois, pas besoin de s'inscrire à une salle de sport. J'ai quand même essayé un exercice spécifique que tu peux faire pour les ballonnements. Et il s'appelle l'aspirateur d'estomac. Ce n'est pas aussi effrayant qu'il n'y paraît. Tout ce que tu dois faire, c'est te mettre à quatre pattes et inspirer profondément tout en relaxant les muscles de l'estomac. Ensuite, quand tu expires, contracte tes muscles de ton ventre et reste dans cette position pendant 20 à 30 secondes. J'ai fait ça pendant seulement 5 minutes par jour et j'ai vu une grande différence en une semaine. Que puis-je te dire pour conclure? Tout a fonctionné. J'ai fini par rentrer dans ma robe. Oh, et j'ai reçu un tas de compliments de la part de mon rancard. Mais ce qui était une semaine d'expérience est en fait transformé en des changements permanents. Je me sens aujourd'hui beaucoup mieux. Alors si tu as des problèmes de ballonnement, d'excès de poids ou juste un manque d'énergie, ou que tu as le moral dans les chaussettes, pourquoi ne pas faire ces changements de mode de vie aussi? As-tu tes propres recettes pour perdre une taille de vêtements en une semaine? Partage tes secrets dans les commentaires ci-dessous. Si cette vidéo t'a été utile, appuie sur j'aime et partage-la avec tes amis. Reste heureux et en bonne santé du côté sympa de la vie.